Et salut à tous et bubu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans PES 2021 pour ce petit match d'Europa League entre la Real Sociedad et Manchester United. Je vais incarner cette équipe mancunienne pour cette rencontre qui va se jouer dans quelques heures au moment où j'enregistre cette vidéo, donc en Europa League. On est évidemment sur la seconde ligue européenne, évidemment ce n'est pas la Ligue des Champions, mais c'est quand même une ligue très intéressante. Et surtout quand on voit des grosses équipes comme justement Manchester United qui est engagée dans cette compétition, je pense que ça fait partie des équipes qui, à mon avis, pourraient très très bien aller au bout de l'aventure. Je vais proposer deux matchs dans cette Europa League, donc ce match-ci Real Sociedad contre Manchester United, mais également Lille-Ajax. Dans une seconde vidéo, je vous invite à aller voir ça. Évidemment, il y a beaucoup plus de matchs ce jour en réalité, mais je ne peux pas faire non plus 10 matchs, c'est c'est beaucoup, hein, beaucoup trop tout simplement. Et regardez-moi cette belle équipe de Manchester United avec évidemment Cavani en pointe. Je suis très heureux de le retrouver enfin sous ma manette. Je crois qu'il me manque énormément au Paris Saint-Germain, même si, vous l'avez vu, on s'est très très bien débrouillé contre Barcelone. Avec cette superbe victoire et ce super Cavani. Mais là, c'est autre chose. On va se concentrer sur ce match-ci. Alors, je joue très peu de fois avec United. Mais c'est vrai que c'est une équipe que j'aime bien. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Donc, il n'y a pas de souci. Ça devrait normalement bien se passer. C'est parti. Greenwood. Et oui! Première occasion et déjà un but avec... un petit lob, j'en fais très très peu. Hein. De mémoire, c'est peut-être la première fois que j'en fais un en diffusion là. Oh génial. Je suis très content, c'est Rashford qui est parti assez facilement là. Le goal était bien avancé, donc il fallait tenter. Il n'a même pas esquissé un petit geste pour pouvoir arrêter cette balle. Oh je suis content, c'est grâce à vous que je peux faire ce genre d'action. C'est vrai que je n'osais pas avant faire des lobs, c'est assez... délicat à doser, on va dire, et là je suis content, ça a réussi le petit lob de Rashford. Oh oui, ça part bien ce match. Et ouvre la marque très tôt. Oh là là, ils sont un petit peu mal en point le là. Dégagement du gardien. La Sociedad. Et je vais lancer Cavani. Ah non, c'était compliqué à négocier ça. C'est bien intercepté. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. La bonne passe. À l'époque, Bach qui joue un petit peu des coudes là pour récupérer cette balle. Bruno Fernandes. Rashford sur le côté. Quelle belle équipe. Mais franchement, quelle belle équipe cette équipe. Maintenant, le de la tête. Ah oh, dommage. Dommage, c'est Cavani qui avait la première. Qui était premier sur le ballon, pardon, et qui malheureusement n'a pas pu cadrer cette tête. Alors je vais en profiter pour vous remercier de vos petits commentaires positifs pour la Ligue des Champions. Je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas forcément satisfaits, mais bon, ça c'est le jeu de YouTube, on va dire. Mais beaucoup le son, donc merci à vous. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous le dis vraiment, je ne suis pas du tout un spécialiste de PES. C'est un jeu que j'aime, tout simplement. Donc je m'amuse, tout simplement, dans le jeu. N'attendez pas à découvrir. Allez, il fallait tenter. Vous ne sortez pas à découvrir en fait le joueur le plus technique dans PES. Voilà, simplement je prends mon pied, je m'amuse. Et ceux qui veulent continuer l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Et puis à suivre notamment les petites séries que je fais avec. Oh là, attention, oh là là là. Avec Liverpool et avec le Paris Saint-Germain. Alors qu'il y avait un hors-jeu de la part du Real Sociedad. Ah non, c'est une faute, d'accord. Une faute de Pogba. Alors je n'ai pas vu à quel moment on a fait faute. D'accord, bon, bah écoutez. C'était pas très flagrant. Il allonge le jeu. Cavani. Ah, dommage, c'est pas passé. Je l'ai vu partir tout seul là-bas. Oh là là. Il est arrivé à se mettre en position. Allez, le Real qui se saisit du ballon.
Bruno Allez, Fernandez. Sur le côté, qui est passé avec Rashford. On va lancer tout de suite. Ça fait donc 1-0. Et ce ballon de... Ouais, là, du bout du front. Allez. Oh là 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 là, ça ne joue rien du tout. Là, ça a été arrêté sur la ligne par le défenseur. Il tente de la jouer dans l'espace. Allez, messieurs, on y va. Oh, attention. Alors, concernant les matchs que j'ai fait hier, alors les scores n'étaient pas les bons, mais par contre, les vainqueurs, oui. Donc, on verra bien si ce sera également le cas pour ces rencontres-là. Alors que on tricote, on n'arrive pas à récupérer cette balle. Voilà qui est fait avec Greenwood cette fois-ci. Oh là là, le contrôle qui est mauvais de la part de Greenwood. Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, ça aurait pu leur coûter cher. Petite faute, alors qu'on approche tranquillement de la mi-temps. Et toujours 1-0 hein, avec ce but assez rapide finalement. Ce serait bien qu'on en mette un second, ce serait pas mal du tout. Ouh là là. Allez, c'était l'occasion la plus franche hein, de la part des Espagnols. Qui, il faut l'avouer, ont été plutôt timides là dans cette rencontre. Alors que la mi-temps ne va pas tarder à être sifflée. Allez, ça y est, c'est la mi-temps. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs entrent en action. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Avec une possession qui est en faveur des Espagnols, je ne pensais vraiment pas hein, qu'on était dominé dans ce domaine-là. On a quand même fait 4 tirs, dont 3 cadrés. Manchester United qui mène donc 1-0, mais attention, tout est encore possible en seconde période. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Allez, on va lancer sur le côté. Oh, c'est chaud! Ah, mince, il a manqué pas grand-chose, mais on n'a pas pu faire cette ultime passe. Il décide d'allonger le jeu. C'est attention. Oh là là là, je suis complètement dans le vent, attention! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Alors ça, c'est un sacré coup, hein. On s'est complètement laissé déborder là par le joueur de la Real Sociedad. Qui heureusement a manqué son petit duel. Et puis ensuite il y a eu le tac là. J'ai eu peur qu'il y ait un penalty. Mais c'est un corner. Ah, c'était super chaud. C'était vraiment vraiment très chaud. Allez, on récupère cette balle. On peut la dégager. On va la balancer. Hein, parce que je ne veux pas jouer. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Bien. Oh, on a failli l'avoir. On a failli l'avoir avec Cavani. La passe en retrait vers son défenseur, la longue passe. On a eu beaucoup de chance, hein, vraiment. Je pense que c'est un avertissement. Hein. Il faut vraiment qu'on le prenne comme tel. Allez, parfait. Bien joué. Hein. Là, encore une fois, hein, on sent que ça commence à flancher de notre côté. Il ne faudrait pas qu'on se prenne le petit but là. Hein. Vraiment. Mais ils sont bien en forme. Hein, ces joueurs du Real. Avec Rashford. Allez, Rashford qui s'en sort très bien. Sur le côté, il y a du monde. Alex Telles. Il tire. Ah, il fallait tenter. Le tir était magnifique. Il était vraiment, vraiment plongeant. Mais malheureusement, pas assez précis. En tout cas, pas suffisamment pour tromper. Et c'est directement récupéré. Le goal. Ah, dommage. Le contrôle encore une fois. Alors, j'ai du mal avec ces contrôles. Ces balles qui sont très rapides, en fait, elles me fuient. Alors, Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? Il y a toujours 1-0 seulement. Le temps joue pour eux. Ah ouais, c'est ça. C'est que on est vraiment encore sous la menace hein, de cette équipe du Real. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Marquer un second but, ce serait vraiment, vraiment une très bonne chose là. Surtout qu'on est plutôt dominé. Je trouve qu'on est... T'aurais pu laisser jouer, vraiment. On était parti là sur le côté. Allez, on passe tout de suite. Bruno Fernandez. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait.
Maguire. Bruno Fernandes. Rashford. Bertrand. Il accélère et il déborde. Là, il a préféré jouer la sécurité. Non. Alex Telles. Il est à distance de tir. C'est dégagé. Il peut y aller. Rashford. C'est chaud. J'arrive pas à tirer. Hein. Je suis toujours dans des positions un petit peu délicates là pour tirer. J'ai essayé hein, par deux fois ici. Mais ça ne passe toujours pas. Il va s'occuper de ce corner. Allez, on va essayer de jouer avec deux options. On va voir si on réussit à faire la petite combinaison. Ça fait un petit moment que j'essaie de la réussir. Et ce corner à la rémoise. Eh ben non. Il ne se pose pas de questions. Pas du tout réussi. Et ça crée une occasion dangereuse là. Isaac. Ce contre peut très bien aller au bout. Ah, clairement. Ça joue à gauche. Il cherche la profondeur. Tente sa chance. Allez, c'est bien contré. On pourrait récupérer cette balle. Allez, c'est un corner. D'accord. Ok, je pensais pas. Attention, on arrive tranquillement à la fin du match. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. C'est joué long, c'est dangereux. C'est vraiment dommage, il le manque toujours un petit quelque chose. Et c'est exactement ce que je me disais. Dans la profondeur. Allez, tu peux y aller. Greenwood, tu peux l'avoir. Oh là. Dommage, c'était la balle du break. Attention, une dernière petite action là de la part de la Sociedad. Et le match approche tranquillement de la fin. Peut-être dernière petite offensive. United, qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. La longue passe. Un bon sang, la frappe. Et le but, c'est Cavani, ça fait 2-0. Il a fallu vraiment attendre la fin de la rencontre hein, pour mettre ce deuxième petit but. C'est quand même assez mérité. Hein. C'est vrai qu'on avait un petit peu renversé les choses, même si la Real Sociedad a été vraiment très très bonne en termes notamment de défense. Et puis ils nous ont posé des problèmes également en attaque. Mais franchement, c'est quand même mérité. Ça fait quelques minutes qu'on poussait bien comme il faut. On a eu beaucoup de contre-négatifs. Et là, c'est Cavani qui met son petit but. Changement s'enchaîne, on dirait bien. Alors que Martial fait son entrée sur le terrain, mais là c'est un petit peu tard, hein, je trouve. Alors je vous rappelle hein, que j'ai les changements automatiques. Voilà, c'est fini. Victoire 2-0 de United contre la Real Sociedad. Est-ce qu'il en sera de même? À voir, on verra bien dans tous les cas. Cavani qui est clairement l'un des artisans de cette victoire, bravo à lui. Plutôt comme Rashford hein, qui a été très très bon. Alors au niveau de la possession, on a repris le dessus, 53%, 7 tirs tentés, 5 cadrés. Et homme du match, ça va être Cavani. J'aurais peut-être mis Rashford, mais peu importe, c'est comme ça. Voilà, j'espère que vous avez en tout cas apprécié ce petit match. Dans ce cas, n'hésitez pas à liker et évidemment à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous pour la vidéo d'après, ce sera Lille contre Ajax. A bientôt, ciao. Hey, vous êtes encore là et ça c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine.